Donc, ben, vous avez devant vous un auteur de romans policiers, mais récent. Donc j'ai deux romans, le premier et le dernier, la cinquième, qui sont qui se situent dans la vallée de l'Ouche, on va dire pour l'essentiel, pas que, mais pour l'essentiel. Le troisième, il existe, Coup de Sanctuaire, qui lui se situe plus sur le chemin de Compostelle, la section entre le Puy-Conque, pour l'essentiel. Parce qu'il mêle des, également, je dis pour l'essentiel, parce qu'il mêle des éléments de police, d'intrigues policières et de terrorisme islamique. J'ai une maison familiale à Barbirès, une maison de mes arrière-grands-parents paternels. Voilà, c'est la raison pour laquelle je viens dans un endroit où je me sens bien, parce que ce sont en partie mes racines, parce que je suis Dijonais à la base, je suis né à Dijon, j'ai vécu 25 ans, mais je retrouve mes racines ici. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a deux romans qui se situent en grande partie sur ce microcosme de la vallée de l'Ouche.